ça va quoi, vous avez une superbe. Donc, j'ai que le tenir de nous donner un soufi soin, à Zouli Flawel, marhaba bikoum, soyez les bienvenus à cette énième activité réalisée par l'association culturelle Thimithar. Donc, pour une fois, on a invité l'islamologue Jabal Khair Saïd, qui est un chercheur, journaliste, collaborateur dans plusieurs journaux, soit journal privé ou la nationale, donc le Khabar, le Hadith et les Hebdo. Et là, il a initié un cercle des Lumières de philosophie à Alger. Sénégui était renoncé avec multiples intellectuels à Alger, Lida, Tizi Ouzou. Il anime des émissions de débat. Anida, il discute sur pas mal de problèmes, de thèmes qui sont relatifs à soit l'héritage, à la problématique de l'héritage, surtout la problématique de l'héritage, le code de la loi islamique, donc sharia, le canon ishkali al mirath fi al islam. Donc sans plus tarder, encore une fois, Azulfilak, marhaba iskar zmal, pour entamer cette conférence, inshallah, on t'ajoute le lien. À la fin de cette conférence, on ouvre le débat et j'aimerais bien que le débat sera constructif. Des questions à des lignes relatives au thème. Tous les citoyens peuvent poser leurs questions et en même temps, donc on ne tarde pas sur les questions à des lignes brèves, laconiques, c'est-à-dire précises. Et les réponses à Adilint sont Saïd, donc Adilint bénéfique et porteuse du débat. En Dénini, ça nous met encore une fois, et ça nous fait savoir que maintenant Saïd Jabal Khair. On dit comme ça. Merci. Bonjour, je remercie d'abord, remercier l'association Thimithar. Pour m'avoir donné cette occasion pour échanger, pour vous rencontrer, pour échanger avec vous sur un sujet qui est un peu, on va dire, un peu délicat. C'est l'héritage, les problématiques de l'héritage dans la loi musulmane ou la charia. Je vais essayer de parler en français. Bien sûr. C'est mieux pour tout le monde. Donc nous avons déjà trois approches pour essayer d'analyser un petit peu cette question. D'abord, à l'origine, il n'y avait pas, en islam, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de code-part. Les code-part de l'héritage, ça n'existait pas au départ. Au départ, il y avait un texte sur le testament. Donc le musulman, au début de l'islam, quand un musulman décède, il avait le droit de partager ses biens comme il l'entendait en laissant un testament, soit écrit, soit par voie orale, c'est-à-dire devant des témoins qui attesteront de la véracité du partage. Alors nous avons le texte de départ, c'était dans Sourate Al-Baqara 180-181. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية جبت غدير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous
et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur celui qui l'aura altéré. Donc, Hada, ça, c'est l'origine de... C'est l'origine de la répartition des biens après le décès d'un musulman. Ça se passait comme il est dit dans ces deux versets de la sourate Al-Baqarah. Mais on remarque que ce texte-là, d'après les fuqaha, d'après les juristes, ce texte a été abrogé. C'est d'après les juristes, il faut pas chercher le mufassirin, les exégètes, le mufassirin, il faut pas dire que هذا النص تاع سوره البقره منسوخ. Il y a un autre point aussi très important, c'est que les musulmans avant l'hijra, avant l'exode de la Mecque à Médine, et avant la révélation du verset de Sourate An-Nisa, yusikum Allahu fi auladikum, c'est-à-dire le partage avec les côtes-parts, etc. Au départ, les musulmans, ils héritaient les uns des autres. C'est-à-dire, par exemple, après l'hijra, les muhajirines, les musulmans qui étaient venus de la Mecque, ils ont été logés, hébergés par les musulmans de Médine, Ansari. Donc chaque Ansari avait hébergé un Muhajir. Chaque Ansari, ou plutôt le contraire, chaque Muhajir était hébergé par un Ansari, et du coup, ils avaient tout partagé. Des fois même, il y a des musulmans Ansari de Médine qui avaient divorcé, qui avaient répudié en fait quelques-unes de leurs femmes pour que les muhajirines les épousent. Hadith Sarat. Ils avaient partagé, ils avaient tout partagé, les logements, les biens, etc. Et quand l'un des deux, c'est-à-dire le muhajiri ou l'ansari, décédait, c'était l'autre qui héritait. Il a tout fait. Le muhajiri, c'était l'ansari qui héritait de ses biens, et le contraire. Ça, c'était... Et en plus de ça, il y avait le texte, Hada, celui que je viens de citer, de lire, Talwasina. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. Donc, c'était au début, c'était comme ça. Après, ce texte-là a été abrogé, et la première façon de gérer les biens après le décès du musulman, après la mort du musulman, cette première règle a été abrogée par le texte de Sourate An-Nisa qui est « Yusikum Allahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu haddi al-unthayayn » Donc, je sais comment l'on fait aujourd'hui. Donc, à la fille ou au garçon, le double de la part de la fille. Donc, les zakari, mithlu haddi al-unthayayn. Mais ça, c'est venu, c'est après l'hijra et après l'abrogation du premier texte. Bien sûr, quand on parle d'abrogation, c'est les juristes, c'est le fuqaha et qulu, texte abrogé. Parce que nous, quand on lit quand on lit le Coran, quand on lit en fait le Mus'haf, on ne trouve pas dans chaque verset s'il est abrogé ou pas. Dans le corpus, dans la Vulgate, dans la compilation du Coran, tous les versets ne sont pas abrogés. Donc il n'existe pas de mention
dans le Coran qui nous disent que ce tel ou tel verset a été ou ne pas, n'a pas été abrogé. Donc, nous n'avons pas ça. C'est les juristes, les fuqaha, les mufassirin qui nous disent dans leurs commentaires. Le tafsir, le ta'liqat fiqhiyya, c'est dit dans les livres de commentaires, le shurouh, etc. Donc là, eux, ils parlent d'abrogation, nasr. Donc ça, c'est la première approche. Mais là on est en droit de se demander pourquoi le texte, le premier texte de la, du testament a été abrogé par, le, par, par, la, par le, les deux versets 11 et 12 de Sourate An-Nisa, les femmes, au fils une part et au fils une part qui équivaut à celle de deux filles. Les ذكري مثل حظ الأنثيين. علاش صرا هذا صرا هذا النسخ. Donc et l'autre approche c'est l'approche on va dire moderniste, parce que dans un système républicain on ne peut pas différencier, on ne peut pas faire de différence entre les droits des hommes et les droits des femmes. Donc l'un des grands, des plus grands principes, l'un des principes de la modernité, c'est l'égalité des sexes devant la loi. Donc on ne peut pas, dans un système républicain, dire que la femme a l'homme a une part qui équivaut à au double de celle de la femme. Ça aussi, c'est une problématique, c'est un autre problème qu'il faudra gérer. Mais là, nous avons des explications, bien sûr, nous avons des analyses qui nous disent que cette répartition, selon Sourate An-Nisa, les ذكري مثل حظ الأنثيين, qu'elle est justifiée par le fait que les hommes ont généralement la responsabilité d'une famille à charge, et non les femmes. Parce que n'oublions pas que la société ancienne, c'était une société patriarcale, et donc c'est le règne du père. Voilà, et donc il se trouve que cette situation est spécifique à la société arabe patriarcale bédouine qui a dans laquelle sont dans laquelle les textes sacrés ont vu le jour. Et bien sûr cette situation n'est plus de mise aujourd'hui, au contraire, dans les temps anciens la femme n'était pas indépendante au plan économique. Donc elle était entretenue, matériellement parlant, entretenue par le mâle, donc par l'homme, et des fois même elle faisait partie des biens qui étaient légués par, le, par les gens qui décédaient. Mais là aujourd'hui, la femme elle est indépendante, la femme elle est active. Elle a son indépendance économique, elle peut avoir sa propre vie, sa maison, etc. Donc elle peut être totalement indépendante, bien sûr, loin du fait qu'elle soit, sans parler du fait qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas mariée. Ça, c'est autre chose. Qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas mariée, la femme aujourd'hui, elle peut avoir son indépendance économique et elle n'est pas forcément dépendante de sa famille. Bien sûr, cela à partir du moment où elle est diplômée, où elle peut avoir accès au travail, etc. Et
Et même, des fois, on peut dire que des fois, dans notre société, dans la société moderne, et des fois, c'est la femme qui subvient aux besoins matériels de sa famille. Des fois, dans plusieurs familles, on remarque que c'est les femmes qui subviennent aux besoins matériels. Donc, des familles, des fois avec l'homme, et des fois même qu'elle le fait toute seule. Donc, dans la situation, dans les circonstances, les nouvelles, dans les circonstances modernes, on ne peut pas permettre la pérennisation de cette situation d'inégalité, alors que les conditions historiques et sociales, socio-économiques, ont totalement changé. Et d'où, bien sûr, d'où la nécessité de réinterpréter, de relire les textes une autre fois, c'est-à-dire de renouveler l'interprétation et la lecture des textes. Et donc, un texte comme celui de Sorat-Nissa, l'évêque Al-Ibn-Hadim-Tayyin, c'est un texte qui doit être revu, relu et réinterprété de manière à ce que le contenu de ce texte soit revu et soit adapté aux conditions de la société moderne. Mais là, on remarque aussi que les fuqaha, que les juristes, des fois, ils esquivent les textes. Des fois, les fuqaha esquivent les textes, ne respectent pas les textes en prétextant l'abrogation ou en prétextant la non-recevabilité, par exemple, la non-recevabilité technique de certains hadiths. Par exemple, le texte, le verset numéro 7 de Sourate An-Nisa. « Les rijali nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun, wa lin-nisa'i nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun, mimma qalla minhu aw kathura nasibun mafrouda. » Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Les femmes, verset numéro 7. Et là par exemple, nous trouvons un juriste comme Abu Bakr Razi qui se base sur ce verset de Sourate An-Nisa numéro 7 pour dire que les cousins et les petits-enfants, par exemple les neveux et les nièces ont droit aussi à l'héritage, ce qui n'a pas été accepté par les autres juristes, par la majorité des juristes. Bien que le verset soit clair, les rijali nasibun mimma taraka al-walidayn wal aqrabun, donc là les proches ils sont cités, mais la majorité des fuqaha n'a pas accepté par exemple cette interprétation de Abu Bakr Razi, qui est aussi un faqih, un juriste. Nous trouvons aussi un autre verset qui a été ignoré par les fuqaha, c'est celui de toujours Sourate An-Nisa numéro 8. إذا حضر قسمة أولي القربى اليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Hadouma, les nécessiteux, les orphelins, ils ont été carrément écartés et ignorés par les juristes.
Pourquoi, bien sûr, comme à chaque fois, ils ont dit que ce verset est abrogé. Donc, c'est encore une fois un texte pour les Fouqaha qui a été, un verset qui a été abrogé, mansoukh. En plus, nous trouvons d'autres conditions qui n'ont pas été posées par les Fouqaha par rapport à l'héritage et qui n'existent pas dans le Coran. C'est des conditions qui sont, que nous retrouvons dans la Sunna, dans les hadiths. Par exemple, un esclave ne peut pas hériter d'un homme libre. Et le contraire. Donc, hadith, ça c'est une condition qui a été posée par les Fouqaha, mais qui n'existe pas dans le Coran. Nous avons par exemple aussi un qatil ala sabil al-'abd la yarith, quelqu'un qui tue. Si quelqu'un tue une autre personne, si une personne tue une autre personne, la personne qui a tué n'a pas le droit d'hériter de la personne qui est morte. Ça aussi, ça n'existe pas dans le Coran, mais c'est, on retrouve ça dans les hadiths. Troisième condition, par exemple, un chrétien n'a pas le droit d'hériter d'un musulman et le contraire. Si deux personnes sont de religions différentes, l'une n'a pas le droit d'hériter de l'autre. Ça aussi, ça n'existe pas dans le Coran, mais on le retrouve dans les hadiths, dans la sunna. Et enfin, la condition qui a fait beaucoup de... à cause de laquelle il y a eu beaucoup de problèmes et de conflits à travers l'histoire, c'est l'anbiya la yurathun. Donc, les prophètes... c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'hériter d'un prophète. Ça, bien sûr, ça aussi, ça n'existe pas dans le Coran, mais dans les hadiths, on retrouve cette condition. Mais ça, c'était surtout par rapport à une ligne politique décidée par les Omeyyades, qui étaient en conflit avec les Hashimites, les Banu Hashim, et pour ne pas leur permettre d'hériter de leur grand-père, qui est le prophète. Donc, bien sûr, là, je ne parle pas des enfants de l'Abbès, je parle de Banu Hashim, c'est-à-dire les Alawites, les enfants et petits-enfants de Fatima, donc la fille du prophète. Et là, pour ne pas leur permettre d'hériter, d'avoir une part de l'héritage, surtout par rapport à l'Arb, le terrain de Fadak, le fameux terrain de Fadak qui était revendiqué par Fatima, et la fille du prophète, et qui lui a été refusée par tous les califes, à commencer par le premier, le deuxième, etc. Donc c'était un sujet à conflit. Et là encore, on revient rapidement à la question de l'évêque Karimith Luhad al-Unfayyad. Au garçon, une part qui équivaut au double de celle de la fille. Là aussi, il y a un grand problème, parce que dans le verset de Sourate An-Nisa, la part du garçon n'est pas déterminée et la part de la fille n'est pas déterminée. C'est-à-dire on ne sait pas quelle est la part du garçon. Est-ce que c'est le tiers? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que l'Izzakar est mis le hadd al-Unthayyad, lakin mais Allah nasib al-Zakar? Quelle est la part du garçon? Quelle est la part de la fille? Ça n'a pas été. Et donc ça s'est resté quand même assez vague. Mais nous retrouvons la part des deux filles. Nous retrouvons la part de deux filles dans d'autres versets. Par exemple dans An-Nisa, toujours dans An-Nisa 176. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين سيساجي دو دو في فلهما الثلثان. Donc là, deux filles, c'est deux tiers. إن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك. Donc, dans An-Nisa 176, il est dit que la part de deux filles, c'est deux tiers. Là, il a cité la part des deux filles.
Donc il s'agit de deux tiers. Donc, mais bien sûr, mais là, si on comprend bien, si on déduit par déduction, on peut facilement comprendre que si deux filles prennent deux tiers, donc le tiers qui reste, c'est pour le garçon, et donc c'est une part, c'est un partage équitable. Donc, deux tiers, un tiers, donc un tiers pour la fille, un tiers pour chacun, finalement. Un tiers pour chacun. Donc, il est clairement dit dans Nisaïe 176 que la part de la fille, elle est égale, finalement, à la part du garçon. Mais, bien sûr, encore une fois, les juristes, les fouqahas ne prennent pas ça en considération. Pourquoi ? Parce qu'ils sont figés sur Nisaïe 11-12. Ils sont figés sur le verset 11-12, par le minnah ne mutqassi. Mais le verset 11-12, il faut rester fixé et sur le verset 11-12 de Nisaïe. Ils ne prennent pas les autres versets en considération. Donc, voilà, ils sont là pour dire que les Zakari et Tuhad al-Muntayyah sont cherchés à comprendre. Oui, donc c'est. Et là, bien sûr, il y a un autre point sur lequel je voudrais, pour ne pas trop m'étaler, et pour permettre un plus large espace-temps pour le débat. Donc, il y a bien sûr des musulmans qui ont été un peu embarrassés par le texte de Sourate Nisaa 11-12. Il y a des gens, il y a des musulmans qui n'ont pas beaucoup aimé ce partage. Nous avons un texte qui témoigne de ça. Chez, bien sûr, dans Tabari, dans son tafsir, dans son exégèse, tafsir Tabari, juste Rabat, tome 4. Page 298, donc il n'y avait que l'homme, c'est-à-dire le mâle qui était majeur, bon, la majorité avec l'autre. C'était pas vraiment. Mais à partir, on va dire, vous mettez Belara à partir de 14 ans. Hein, 14 ans. Quand on avait 14 ans ou 15 ans maximum, on était considéré comme étant Belara, comme étant Mukallaf Sharan et ayant droit, etc. كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة فلما نزلت آية المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس شق ذلك صادق إنه بايمي ما عجبوش الحال شق ذلك على الناس وقالوا قالوا يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم به والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال. Donc là ils n'ont pas aimé, pourquoi? Parce que pour un arabe bédouin c'était pas concevable de donner une part de l'héritage à un bébé ou à un petit garçon de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui ne travaille pas et qui ne fait pas rentrer de l'argent. Comment on lui donnerait une part de l'héritage? Ils étaient contre. Et ils étaient aussi contre la part qui a été donnée à la femme. Là aussi, ils étaient contre. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont espéré que ce texte de Nisaïe 11-12 qu'il soit modifié, voilà, qu'il soit abrogé, amendé, modifié. Il sera le tadil ou le tadil. Alors ils ont attendu. Donc quand il ne serait rien passé, après tout, bon, malish. On va faire avec. Mais au départ, ils n'ont pas aimé. Au départ, ma bouche.
Et là, nous avons un autre texte, toujours dans Tabari, tome 3, page 617, qui est encore plus explicite dans le même sujet. قال الناس بعد نزول آية المواريث تعطى المرأة الربع والثمن وتعطى الابنة النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل ولا يحوز الغنيمة. D'accord. Donc c'est à peu près la même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ينساه أو نقول له فيغيره. Donc, خلي معليش laisse faire et après quelque temps on va soit le texte va peut-être être abrogé ou alors on va en parler au prophète, peut-être qu'il va لعله يغيره, il va le changer, l'amender, voilà. Mais masaraj. Donc, au fond, ils n'avaient pas aimé. Et là aussi, je terminerai par cette phrase. Là aussi, nous remarquons que les codes-barres de l'héritage qui sont cités dans An-Nisa 11-12, en fait, ce n'était pas une situation finale. Ce n'était pas une situation. Pourquoi? Parce que nous avons, par exemple, la grand-mère qui n'est pas citée dans le verset, et à qui on a donné une part, le sixième, après la mort du prophète. Il y a eu une grand-mère qui est venue chez le premier calife, Abu Bakr al-Siddiq, qui est venue demander « Qatlou wa nawashni wa najni wa na'andish ma'andish l'haq » Je n'ai pas ma part. Allah la ajidu laki fi kitab Allah shay'an. Tu m'as pas kish mdkoura fi sourate An-Nisa, mais qu'elle n'a pas la grand-mère. Et c'est vrai, elle n'est pas citée. Il y a un compagnon qui a levé la main pour dire non, hein, moi j'ai entendu le prophète dire que la grand-mère elle a le S6e. Qallo ma nna kni shad min yashhadu ma'ak. La wahed la zouj qallo sami'na hna hada sami'na wa hadarna. Atalha, il lui a donné le 1/6. Donc, et il y a eu aussi, donc Hada, la grand-mère Zadouha, bien sûr, vous l'êtes, Hada le 1/6, mais dans les ouvrages de jury et de jurisprudence, le fiqh et de l'exégèse, de la tafsir. Vous l'êtes, Hada, ça a été rajouté, si on veut, après la mort du prophète. Et nous avons d'autres cas aussi qui ont été ajoutés. Donc ça c'est pour dire que la question de l'héritage, c'est une question qui n'est pas figée et c'est une question qui comporte quand même quelques problématiques par rapport auxquelles il faudrait quand même la revoir pour un partage plus équitable et plus logique, on va dire. Voilà, merci. Cheikh Saïd Atik Sahar, donc il a exposé le problème d'Ijtihad, le canon Sharia, la problématique de l'Ijtihad, surtout de l'Mirath en matière successorale. S'il est possible, à travers l'Ijtihad, une définition, une interprétation des versets, des hadiths, d'une manière, on prend en considération le contexte économique, social et politique de la société telle. Donc, encore une fois, Cheikh Saïd, on dit qu'il a un livre où les confrères soufis, il a été édité chez Édition Fayrouz. Et ça a donné un livre que m'a sorti d'Irdem, donc l'édition. Le Mahroussa, donc le titre. Tassawf al-Ibda'a, soufisme et création. Tiksa Hachir. Donc on laisse le débat et ici l'assistance, mais pour poser leurs questions, et il est là à vous répondre à Tiksa. Roha Sherben, astukta. Zoula Kubaba, Zoula Massaïd, la Slamayi. Ça عندي بون نعرفوها معليش بيان سور نقاط النقطه الاولى ما بيات
تعطي لنا رايك ولا احنا كبيره في عند المتباين من بكري مرة ما تولدش بصح نهار تطلق ولا تولي ضربه بعد سونسيال الحق تاعها محمي. النقطة الثانية كاينين اللي يهضروا على النسب في القرآن نسب الميراث في القرآن خاصة النساء حداش اللي جبتها اللي كرتها اللي يشوفها بطريقة رياضية يلقى فيها أخطاء. كاين بزاف أمثلة يعني الواحد كيشوف يلقى بالصح باللي كاين أخطاء حسابية في نسب الميراث في النساء سيرتو في النساء. الحالة النقطة الثالثة ولا معروفة أن نسمعوها هكذا مثل الواحد عنده ولاد ثلاثة ولا أربعة عندهم كاع زوجين عندهم دراري عندهم ولاد واحد فيهم مات باباه مازال حي صدر الجد تاع الدراري هذاك مازال حي ولادو هادو ما يورثوش ماذا بيا تعطي لنا وثم يرث يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا شيخ. Question par question. Ok, d'accord. Merci. Shukran. Par rapport au droit coutumier kabyle, le mérath عند القبائل, c'est une question beaucoup plus historique. Elle est en relation avec l'histoire beaucoup plus qu'avec le religieux. C'est vrai que le droit coutumier kabyle a été validé par des fuqahas, par des juristes, mais c'est un droit qui a été, on va dire, écrit dans le cadre d'un certain nombre de conditions historiques. Par exemple, il y avait le conflit entre la Kabylie et les pouvoirs turcs. Donc la Kabylie a de tout temps refusé la présence turque et même a eu des mouvements de résistance, etc. Et donc par rapport à ça, les Turcs ont voulu pénétrer la société kabyle par rapport en utilisant les mariages mixtes. Et du coup, bien sûr, les femmes héritaient de leur famille. Et par souci pour sauvegarder les biens familiaux, surtout la terre, surtout le foncier. Surtout le foncier, donc ils avaient écrit ce droit. Et c'était pas pour exclure la femme en fait de l'héritage, mais c'était surtout pour sauvegarder le foncier. Et la preuve, c'est que quand la femme était divorcée, répudiée, quand elle revenait chez sa famille, elle avait sa contrat. Voilà, elle avait sa contrat. Donc voilà, j'avoue que je ne suis pas très approfondi sur ce sujet parce que je n'ai pas tous les textes du droit coutumier, mais ma réponse c'est par rapport à ce que j'ai eu, par rapport à ce que j'ai, aux informations auxquelles j'ai eu accès. Pour le Nisa 11-12, au plan mathématique, au plan mathématique, oui, moi je sais qu'il y a des chercheurs qui... honnêtement, moi je n'ai pas d'exemple, je ne peux pas vous donner des exemples concrets, mais je sais qu'il y a des chercheurs sérieux qui ont relevé ce point comme quoi certaines équations de l'héritage, selon le partage qui est cité dans son commissaire, ça des fois le tout, c'est-à-dire l'addition ne donne pas un. Donc c'est des fois on remarque que il y a des problèmes, par rapport au côté mathématique. Ça c'est vrai. Ça a été soulevé par certains chercheurs. Le troisième point, Meniamout, comme la Walidehi, là aussi c'est un problème. Là c'est pas de. C'est les juristes, hein, c'est le Fouqaha. Ouais, et le Fouqaha, ils sont divergents, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas unanimes sur ce point. Par exemple, si quelqu'un décède et qu'il laisse. S'il décède avant, si un fils décède avant son père, et que le fils a des enfants, ces enfants ne vont pas hériter de leur grand-père. Pourquoi? Tout simplement parce que leur père est mort avant
avant le grand-père, voilà. Et ça, à mon avis, c'est un point qui doit être aussi revu, doit être parce que c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas logique, c'est pas juste et c'est pas logique. Il y a aussi un autre point que j'ai voulu soulever et que j'ai oublié de dire dans ma communication, c'est le Qadit l'Asaba. Qadit l'Asaba, c'est les oncles et les cousins qui viennent hériter avec les filles. Quand quelqu'un décède et qu'il ne laisse que des filles, alors il dit, si c'est des garçons, c'est bon. S'il n'a que des garçons, il dit Koulch. Mais s'il ne laisse que des filles, il y aura leurs oncles et leurs cousins qui vont venir prendre leur part aussi. Ça aussi, c'est un peu. Il y a plusieurs associations qui ont soulevé ce point. C'est des associations de juristes, bien sûr, de juristes, qui ont soulevé ce point comme étant un point qui doit être révisé, qui doit être. Revu et amendé et qui existe malheureusement dans le code de la famille, dans les lois de l'héritage, dans le code de la famille algérienne. Donc voilà. Merci. Merci. C'est vrai. Pour la femme fait partie des biens de l'homme. C'est bien ça. Avant l'islam. Ah, d'accord. Ça, c'est avant l'islam. D'accord. Allez, donc, ma question, qui fait qui fait qui fait l'année qui fait tout Allez, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Un hadith nabawi, la yatanassab ma'a fort. Ou sur. Ça vient, je vais vous dire, je vais vous dire, puisque il y a un appelé de thème de ma conférence, c'est votre savoir. التصوف الصوفية. والقدسية غير مستعمل كثيرا في التشريع أيضا في الاعتقاد. ثالثا أول آية نزلت هي إقرأ. وعندما نفتح الصفحة نلقى الفاتحة. كنحلو المصحف نلقى الفاتحة أول آية أول سورة. De quelle façon le Coran a été rangé كيف يعني سجلنا القرآن. ومن نظم القرآن رابعا ما هو التصوف نفسي merci c'est des questions très lourdes qui vont peut-être nécessiter oui mais je vais essayer d'être tu vas profiter au bien sympathique en vous faire l'effet de Oui, dans plusieurs cas, on retrouve des contradictions entre les textes des hadiths et le Coran. Pourquoi ? Pour une raison qui est logique à mes yeux, c'est que les hadiths ont été écrits très tardivement, après le décès du prophète, les hadiths ont été en fait écrits dans sous le règne des Abbasides, تحت الدولة العباسية, c'est au moins un siècle et demi, au moins un siècle et demi après la mort du prophète. Donc il est évident, il est normal que ces textes, ces hadiths, répondent aux besoins et aux attentes du pouvoir. Donc c'était des textes. Bien sûr, je ne dis pas tous les hadiths, mais une bonne partie des hadiths, c'était des textes qui répondaient aux besoins du pouvoir abbasside et qui allaient dans le sens des intérêts des pouvoirs en place. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons
la plupart du temps, on retrouve des contradictions entre les hadiths et le texte coranique. Comme par exemple pour l'héritage. Il y a les quatre conditions qui sont posées par les juristes dans le cadre de la loi successorale n'existent pas dans le Coran. Mais on les retrouve dans la Sunna. Donc c'est bien une preuve que c'est des trucs qui ont été rajoutés après, bien après. Et je peux citer plusieurs cas, je ne sais pas, par exemple, le hadith Ridda. Hadith Ridda, Zadur, Mbad. Pourquoi ? Pour avoir un prétexte qui permet d'opprimer. Tous les gens qui pensent à faire de l'opposition, par exemple, soit idéologique ou politique. Donc, ils avaient des textes préapportés et prêts à être mis en exécution, en pratique. Il y a plusieurs exemples. L'un de ces les hadiths, il y en a plein qui ont été ajoutés. Sahih al-Bukhari, غير صحيح. Je ne suis pas d'avis pour dire qu'il faut refuser la sunna, les hadiths en bloc. Mais je suis d'avis pour traiter les hadiths au cas par cas. Hala bi hala, hadith bi hadith. Yuslah, yifut, mais yuslah, non, moi je bahad. Hadiya. Donc, un texte. Qui est recevable techniquement et logiquement, marahba, le texte qui n'est pas recevable techniquement et logiquement, il va faire partie de l'archéologie. De l'archéologie, c'est tout, de l'histoire. C'est tout. Voilà, donc c'est. Le hadith Qudusi. C'est un genre de hadith. C'est en fait le hadith parce que nous avons deux sortes de hadith. Il y a le hadith qui dit qala rasulullah, c'est la parole du prophète, c'est-à-dire c'est lui qui. Mais des fois le prophète dit qala Allahu ta'ala. Mais c'est pas du Coran. C'est un hadith, c'est-à-dire que c'est un sens divin qui est dit par le prophète à sa façon. Donc il le dit à sa façon, mais il est attribué à Dieu. Par exemple, Allah Ta'ala, hadith Qudusi, on va prendre Allah Ta'ala, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث قدسي. صحيح. اسمح لي. Oui. الأحاديث القدسية كاين بزاف الأحاديث القدسية كاين une certaine souplesse par rapport à Oui, mais le hadith al-Qudusi, il passe aussi par Tirmidhi et Bukhari. Le hadith al-Qudusi, marwi min taraf Hufar, le hadith qui va le faire. C'est comme les autres. Il n'a rien de particulier, sauf, oui, allez-y. Le hadith al-Qudusi, je suis un mukhtas fi ruhaniyat. Généralement, c'est pas des lois. Les hadiths nabawi ou les hadiths al-Qudusi ou le Coran. Décadence, c'est-à-dire. Ça veut dire que sur le Qudusi, il y a toujours l'afwa, al-maghfira. Allah, abdi, idha ishtadda azruka wa qawiya dhahruka fa rizqani bil ma'asi. À la fin, Allah dit le papier rouge. L'insane, il faut que les malinages, les clément, que fait le hadith Nabawi, ou fait par sourd, l'ayat, le Coran. Oui. En fait, oui, bien sûr, là c'est un peu bon, le hadith Qudusi. Le hadith Qudusi, il faut vous dire, fait un sahih ou ba'if. Il y a des hadith Qudusi qui sont recevables, techniquement parlant, et il y en a d'autres qui ne sont pas recevables. C'est-à-dire, des fois, le hadith Qudusi, des fois, qu'on ba'if, des fois, qu'on maudou, des fois, qu'on sahih. C'est comme les autres. Mais par rapport au contenu,
Et c'est vrai qu'il ne traite pas des lois, il traite généralement de la spiritualité. Ça, généralement, c'est spirituel, c'est soufi. En général, c'est pour ça que les hadiths qu'on appelle Qudusi sont généralement cités dans les ouvrages du soufisme. Voilà. Donc, l'ayat lati. Oui, de quelle façon a été le Coran ? Là aussi, je vais être un peu très bref. Bon, le Coran, au départ, c'était un phénomène. Oral, au départ. Zahira shafahiyya, ou shafawiyya, ou shifahiyya, ou l'a fait. Il y a trois choses. Alors pour moi, il y a une différence claire et nette entre Al-Wahi, révélation, et Coran, Coran, et Mus'haf. A toutes les termes, je kiffe, kiffe. Al-Wahi, comme phénomène, nous ne connaissons pas, la seule personne qui connaît le phénomène de la révélation du Wahi en tant que fait, c'est le prophète. Parce que, il n'y a que lui qui connaît. C'est une expérience subjective. Il n'y a que lui qui la connaisse. Donc, maintenant, le Coran, c'est un phénomène oral. Au départ, les musulmans, ils écrivaient, mais le prophète n'écrivait pas pour lui-même. Le prophète n'avait pas de, on va dire, de master, un douche master, mais un douche registre ou là ça, il n'avait pas de registre, il n'avait pas de parchemin, il n'avait pas ça chez lui, il n'avait rien, il n'avait que la mémoire, il n'avait que sa mémoire. C'est tout ce qu'il avait. Mais les musulmans, ils écrivaient. Les musulmans, chacun écrivait dans son patois. واحد ترقي يجي للمدينة يكتب ترقية. واحد من تيزي وزو يروح للمدينة يكتب يسمع القرآن يكتب بالتمازيغ. يجي واحد من المغرب يكتب بالتشلحيت. Il dit en français, il dit bon en français. Chacun écrivait avec son propre patois. Et c'était libre. Au départ, l'écriture, la transcription du Coran était libre. Chacun écrivait à sa manière et même au plan de, on va dire, des mots qui étaient utilisés. Par exemple, on a fait les ouais. Selon Ibn Mas'ud, Jawahid Ibn Mas'ud, Abdullah Mas'ud, le plus célèbre compagnon, Athim, ça veut dire Mujrim, ça veut dire voilà, Wahid Artakim Ithim. Alors, le monsieur, il n'a pas compris Athim. D'ailleurs, il n'a même pas su prononcer le mot. Bien qu'il soit arabe, c'était un arabe. Mais je ne sais pas. Il dit qu'il y a le kalma. Il dit, j'ai pas compris. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire Mujrim. Ah, par contre, Mujrim, je connais. Ah, il dit, tu sais, moi, je n'ai pas l'écrit Mujrim. C'est le Coran. Bédil le kalima avec kalima. Parce que le Coran, et même dans les hadiths, il dit que le Coran, on se dit, على سبعة أحرف تعرفوا الحديث الأحرف السبعة مشهور معروف ومشهور دايور سي شابيتر ان غران شابيتر دون سو كنابيل علوم القرآن دون لي سيونس دو كوران دون شي لي سبيساليست في علوم القرآن يقول لك باب هذا تاع أحرف السبعة دونك الأحرف السبعة سي بارابور أو على لونغ أراب أو باتوا أون فات باسكو كاين اللسان العربي ولغات العرب. Donc, il y a la langue arabe et il y a les patois arabes qui diffèrent. Donc, il y avait des mots qui étaient utilisés à la Mecque, qui n'étaient pas utilisés à Médine. Par exemple, le mot tabout, qu'on retrouve dans le Baqara, tabout
Bon, littéralement, ça veut dire le cercueil, littéralement. Mais le mot Tabout, il est prononcé à la Mecque avec un ta, Tabout, et à Médine avec un ha, Tabou. Dans la Médine, il y a un Tabou. Dans la Mecque, il y a un Tabout. C'est pas la même chose. Donc, il y en a déjà haf. Donc, de là, et chacun écrivait, bien sûr. Et des fois même, il y avait des divergences encore plus larges. Nous avons des hadiths dans le Bukhari. Et des hadiths, c'est-à-dire authentiques, c'est-à-dire recevables, parfaitement, parfaitement recevables. Un hadith sahiha. Une fois, Omar ibn Khattab a entendu quelqu'un lire une surat du Coran Furqan, si je me souviens bien, surat al-Furqan. Mais il lisait d'une manière qui n'était pas non, c'était une manière qui était tout à fait différente de la manière avec laquelle Omar Khattab avait appris cette même surat. Donc il a dit, من اللي جبتها قالوا لي قالوا انا سمعتها من رسول هو ثاني سمع من رسول قالوا جي معايا il a pris par la main ده الرسول قالوا اسمع هذا واش راه يقرا قالوا اقرا قالوا بصح هذا راه يقرا ما راهش يقرا كيما راني نقرا لي دو مانيير فريمون قالوا سالوا انت كيفاش راك تقرا اقراني قالوا في جوج صحاح قالوا هو تصحيح وهو صحيح. Il y avait des différences de prononciation, des fois des différences dans l'utilisation de quelques mots qui étaient utilisés dans certaines régions et non dans d'autres, qui n'étaient pas utilisés dans d'autres régions. Vous savez qu'il y a des Arabes qui... Une fois, je suis allé à Damous, par curiosité, de la région, Tadamous, qui lui sont aussi des vieux, qui lui adorent. J'ai rien compris, un seul mot, quel avantage. Rien, mais rien de rien. Tadamous, c'est pas la fin du monde, c'est pas loin, c'est la porte à côté. Donc, il y avait des tribus arabes qui avaient un patois tout à fait différent, qui n'était pas compris. À Médine, par exemple. Mais ils jouent le Médine, mais ils font un moulin, je suis un mais arabe. Donc, les patois, ils différaient. Et là la transcription du Coran était ouverte. C'était un texte ouvert. Donc, quand j'ai eu le Jum'a, qui sera le Jum'a, la première des choses à savoir, c'est que le prophète lui-même n'avait pas ordonné la compilation du Coran. Et il n'avait pas laissé de compilation. Ça, bien sûr, ça n'empêche pas le fait que certains compagnons avaient déjà du vivant du prophète, ils avaient leur propre masahaf. Ibn Mas'ud, qui a un masahaf, qui est un rasoul hay. Certaines femmes du prophète, par exemple, telles que Umm Salama, par exemple, Aïcha aussi, elles avaient leur propre masahaf. Tout le monde a un masahaf. Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b. Certains compagnons, hommes et femmes avaient leur propre masahif du vivant du prophète. Mais le prophète n'avait jamais ordonné de compiler le Coran. Après le décès du prophète, il n'y avait pas de compilation, c'est-à-dire, on va dire, officielle. Il n'y avait jamais eu de compilation officielle. Mushaf rasmi, avec le Kench. Et là, les Qurra, c'est-à-dire les compagnons qui avaient le Coran, le texte, on va dire, totalement en mémoire, la plupart d'entre eux étaient morts dans les batailles de Yamama, par exemple, c'est l'Ismoa Haroub Ridda, maintenant, plus de 70 compagnons meurent. Donc, et là, certains musulmans avaient vu qu'il y avait urgence
a compilé le texte et ils sont allés demander au premier calife de faire, de procéder à la compilation. Et c'est ce qu'il avait fait, il avait ordonné à Zayd ibn Thabit, qui était un très jeune Ansari, il avait avec l'Ukhd Balak 22 ans, 23 ans, et il était très jeune. Il avait demandé à Zayd ibn Thabit, Ansari, allô, voilà, tu es jeune, tu es jeune, tu es dynamique, et tu as appris le Coran, donc vas-y, fais la compilation de Ijma' Ga' al-Ayat. Et donc, ou كتب sur des parchemins, sur des dépôts, dépôts de chameaux, des écrits ont été rassemblés et ont été laissés, il les a remis au premier calife, qui les a laissés au deuxième calife après sa mort, et après la mort de l'assassinat du deuxième calife, c'était sa fille Hafsa, qui était en même temps l'une des épouses du prophète, qui avait gardé ses écrits. Et au fait où le calife Thalith, c'est Uthman, Uthman avait ordonné une deuxième transcription, une deuxième compilation, et cette fois-ci dans un seul registre. Le Mus'haf, je parle Mus'haf, Mus'haf. Et bien sûr, là, pardon. Oui. Ahmed ibn Affan, il y avait cette histoire de brûler tout le Mus'haf. Oui, oui, je vais venir à ça. Oui. Oui, oui, bien sûr. Allez, Jaïla. Donc, Dair Lujna, كونا من يعني أربعة أشخاص، ثلاثة منهم مهاجرين، واحد منهم أنصاري. أنصاري وهذا زيد بن ثابت لمن، بلس ثلاثة أخر من المهاجرين، منهم عبد الله بن الحارث وسعيد بن العاص، و أن ثالث. دونك داروا لا كومبيناسيون هذه، مي ce qui est arrivé là, c'est que tous les textes qui étaient écrits dans différents patois ont été transcrits dans un seul patois qui était celui de Quraysh. L'Ughat Quraysh. Vous gaffez l'Ughat Quraysh. Yani l'Ughat l'Ukhra, l'Ahraf, l'Ukhra, Ulghiyat, yani wa kutibat kal nas kullu kutiba fi dans le patois de Quraysh, patois de Mecca. Et c'est pour ça que vous avez les calimètres conformes avec le patois de la Mecque, le Ratmaka, de la Corèche. Et bien sûr, ils avaient écrit plusieurs copies, 5 ou 6, des fois même 7 copies. Au Ba'tou, bien sûr, le calife il a envoyé des copies à la Mecque, une copie à la Mecque, une copie en Égypte, une copie à Bahreïn. Une copie en Irak, il a envoyé plusieurs copies et il a laissé bien sûr une copie à Médine et il a ordonné de brûler, d'incinérer toutes les autres masahif, toutes les autres compilations. Donc toutes les autres compilations ont été incinérées sur ordre du calife et il n'y a qu'un seul compagnon qui a refusé d'incinérer sa compilation. C'était Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, Mahabsh, Rafad, Kalana Mahabsh, le Mus'haf Ta'i. Et il paraît que ce Mus'haf, que cette compilation n'a pas été incinérée et elle a réapparu au 3e siècle en Irak, la compilation de Mus'haf Ibn Mas'ud. Voilà, donc Hadiya, en gros, l'histoire du Mus'haf. Maintenant, et c'est pour ça que, bien sûr, quand je parle, quand je dis qu'il y a une différence entre Coran et Mus'haf, c'est parce que le Coran, c'est le tout. C'est les textes qui ont été, qui existent maintenant, y compris ceux qui ont été abrogés. Il y a des textes, c'est-à-dire beaucoup de textes qui ont été abrogés.
Et donc le Coran, c'est aussi les textes abrogés qui n'existent pas maintenant dans le Mus'haf. Il y a beaucoup de textes qui ont été abrogés et qui n'existent et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans la compilation actuelle. La seule qui existe d'ailleurs à travers le monde musulman, c'est celle de Uthman, Mus'haf al-Uthman. Et donc, quand on parle de Mus'haf, le Mus'haf, ce n'est pas la totalité du Coran, c'est une partie du Coran. Et sachant que dans le Coran actuel, il y a certains textes qui, selon les juristes, ont été abrogés, comme ceux que je viens de citer, par exemple, dans le Nisa. Par exemple, je vais donner des exemples. Par exemple, « Is'alounaka anil khamri wal maysiri, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. » Hadi aya mansoukha pour les fuqa, pour les juristes, hadi mansoukha. اصبر صبرا جميلا انهم يرونه قريبا وانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذه عند فقهاء منسوخه بايه السيف فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذه قال لك منسوخه بايه السيف tous les versets qui parlent de clémence qui parlent de patience اصبر صبرا جميلا ولا تستعجل لهم كأن لا تستعجل اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين هذا كامل هذا اللي كما هما قال لك سي دي فيرسي كي سون كي اون ايتي ابروجي بار ايه السيف ايه السيف ولا ايات السيف اللي من بينهم باغ اكزومبل ايه التوبه le fameux verset de Sourate Touba fa idan salakha al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikeen haythu wajadtumuhum ou la al-aya al-ukhra il ya ayyuhal qatilu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna din al-haqqi min alladhina utul al-kitaba hatta yu'tu al-jizyata 'an yadin wa hum sa'irun donc hadi ayat sayyid hadi qal lak la abruji tous les versets. Et prenons par exemple l'exemple de l'ayat que je viens de citer de l'héritage, l'ayat al-wasiyya par exemple, le verset du testament, tel qu'il a été abrogé par An-Nisa 11-12. An-Nisa 11-12, c'est des textes qui ont été abrogés. Il y en a beaucoup, hein, je ne les ai pas tous en mémoire, mais Kaini. Voilà. Maintenant, le soufisme, dernière question. Oui. اسمح لي فيما يخص تنسيق عثماني كتابة المصحف لفترة عثماني aujourd'hui on se retrouve à quatre versions أربع روايات واش كان ايتي بافاي كيف حتى خرجوا عن قانون عثمان هو القانون اللي ما تكون غير رواية واحدة هي الرواية تاعو كيفاش اليوم on se retrouve Oui, non, il n'y en a pas que 4 en fait, il y en a 11 000. Non, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a 11 000 riwayat dans le Coran. Il y a 11 000 riwayat dans le Coran. Non, le Mus'haf Uthman, je vais expliquer. Le Mus'haf Uthman, la compilation de Uthman, dans la compilation de Uthman, il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait que les consonnes, il y avait le squelette. باك تاع لا ترانسكريبسيون ما تقدرش دونك كي تقرا مصحف عثمان مكتوب الحمد لله بصح ماشي مكتوبه الحاء ما فيهاش ضمه والخاء ما فيهاش نقطه وما فيهاش كسره ما كانش التشكيل هذا لي سيني هادو ديالكريتيك ما كانوش كاينين في لا كومبيلاسيون دو عثمان يافي كو لو سكيلات برك لو سكيلات سي دار لي كونسون برك لي فوايل ما كانش ما تعرفش كيفاش تقرا الحرف معناتها شكون اللي يقول لك باللي تقراوها الحمد ماشي الحمد وماشي الحمدي ماشي الحماد وماشي الحماد شكون اللي يقول لك الروايه سي الروايه اي سي بور سا كو موا جو سوي ان بو ايتوني كي يقولوا بعض الناس يقول لك السنه نقدروا نرموها اون بلوك مي لا رميت السنه ترمي القران باسكو القران ما تنجمش تعرف تقراه بلا روايات تاع السنه كيفاش عرفنا بلي الحمد فيها ضمه وما فيهاش كسره سي با سي بالروايات والروايات سي السنه الروايات سي دي شان دو ترانسميسيون اي يعني ايدونتيك ا سيل او شان دو ترانسميسيون تاع الاحاديث سي لو ميم شان دو ترانسميسيون
C'est les mêmes, et c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes gens qui ont, ceux qui ont transmis la sunna, ce sont eux-mêmes qui ont transmis les riwayats, c'est les mêmes. Donc si on jette un doigt, on jette les autres aussi. Et donc c'est les riwayats. Les riwayats, bien sûr, c'est ça diffère, parce que le mushaf, ok, Othman, écrit le mushaf, mais que l'on a écrit. Comme Amphila, par exemple, et puis des fois on trouve des ajouts. Par exemple, il y a le sariq ou le sariqatou, faqta'ou aidiyahouma. Ben Mas'oud yaqra faqta'ou aimanahouma. Il n'a pas aidiyahouma, qu'est-ce que le mushaf ta'ou Mas'oud? Le mushaf aidiyahouma, il précise les droites, les mains droites. Aimanahouma, faqta'ou aimanahouma. Par exemple, où il y a le fatahariru raqabatin. وين تلقى في القرآن فتحرير رقبة ابن مسعود يزيد لها مؤمنة لازم هذاك الإسلام يكون مسلم مؤمن سيني با كرويون ما يصلحش للكفارة دونك فتحرير رقبة ابن مسعود دائما يزيد مؤمنة في رقبة دونك هنا كاين يا دي ديفيرونس اي بوي باغ اكزومبل وانظر إلى العظام كيف ننشرها كان يقرأون شيزوها إزاي؟ pourquoi؟ parce que à l'origine راه هذاك ما فيهش نقطة كان راه برك دونك واحد يقراه زي واحد يقراه راه باسكو à l'origine il y avait pas de point ما كانش فوقو نقطة كان غير لو سكيلات تاع الراه كل واحد كيفاش قرا كل رواية كيفاش نو مي هنا كاين بزاف اي à partir de ce moment et à partir de ces différences on s'est retrouvé avec 11000 رواية كي تجمع كل الروايات يقول لك السبعة المتواترة وبعد من السبعة العشرة كاين ثلاث روايات مشهورة وكاين فوق العشرة أربع روايات كاين اللي يختلفوا فيها كاين اللي يقول لك شاذة وكاين اللي يقول لك لا صحيحة ومشهورة إلى آخره. بون هذا لو سوجي اللي يعني سي ديليكا سي بروفون هو وحده لازم له محاضرة قراءات لازم لها وحدها الكونفيرونس مي اون كرو اللي قلت لك فوالا سي بور سا كو القراءات يختلفوا ماتنون بور لو صوفيزم بور فار تري كور سي لا ديمونسيون سبيريتويل سي لا ديمونسيون سبيريتويل دو الاسلام سي لا ديمونسيون سبيريتويل دو الاسلام مي سي فري كو لي صوفي ne sont pas toujours d'accord avec les juristes, avec les fuqaha. Des fois il y a des divergences entre les juristes de l'islam et les soufis de l'islam. Bon, tasawuf, tarikhien, il est issu du mouvement, ce qu'on appelle le mouvement Az-Zuhd, les ascètes d'Ouma, qui étaient en fait les maîtres des soufis. Mais le terme en lui-même n'a vu le jour qu'à partir du début du deuxième siècle de l'Égypte, c'est-à-dire à partir de 120 Hijriya, c'est un égyptien, il s'appelle Abu Hashim. Peut-être qu'il n'était pas égyptien, mais il a vécu en Égypte, c'est un Abu Hashim soufi. C'était le premier qui était Abu Hashim Soufi. Voilà. Et bien sûr, après le soufisme, c'était devenu des écoles du Bati. Bien sûr, Sarat al-Tahawulat, ou Tchalfi Sarah, fi Khilaf, al-Fuqaha, fi Khilaf, al-Sulta, carrément. Et il y a eu des conflits, bien sûr, après. Et des écoles, pas des conflits, des écoles. Des écoles, de différentes écoles de soufisme. Et c'est bien après que nous avons assisté à l'apparition de ce qu'on appelle les confrères. C'est-à-dire qu'elles sont apparues tardivement, quand même. Tardivement par rapport. Par rapport au premier. À la première période de l'apparition du soufisme. Voilà. On invite Cheikh Salah Tsar Tokhtev Tesham, je sais si c'est le tour. Donc, il y a Rouhan Brahim, à Tixa. Maha Cheikh Brahim.
question. Ah, c'est une question. Allez. Pardon. La semaine où la oui. Je m'excuse, Khatra, ça la voilà, Dina. Non, ma Misha. Bien sûr. Khatra, tu m'as dit que la Wadi est dans la France. Je ne suis pas d'accord. Je respecte le chercheur. Je la dis que ça a une association à Guin. Mais il ne faut pas yon mettre à discuter. Il faut. Avec mauvaise intention, la bonne intention, on a immense. J'aime bien le dialogue. Il faut dialoguer. Et j'aimerais bien se mettre ici, on est prêt, on fait les idées, et la carte de l'eau, on va se faire. Mais dialoguer, c'est là, c'est fait. Et de l'eau, il y a verset 11-12, qui sera tenu ça, dans le verset 1000. Cheikh Brahim, point d'ordre, معليش يا شيخ. C'est-à-dire le conférencier ne maîtrise pas 100% ça arrive. Non. Cheikh Brahim, hadr star, معليش. Qu'est-ce que c'est Allah يتكلم عن الرجل الذي له ذرية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخر آية. Je vais pas m'attarder. ولكن في آخر الصورة اهتدى ربي سبحانه فالرجل يمثل ويساوى لبس الناس. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وكان هذه تسمى لكي ما نخطوش. الشيء الثاني، إذا أردنا أن نقول هل القرآن من عند الله أو ليس من عند الله، il faut y aller droit au but. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Il y a ceux qui peuvent défendre. ولا عندك ضعيف اللي يهضر لك كي يجمع il veut défendre le Coran et la parole de Dieu. Je respecte toujours ceux qui disent qu'il n'est pas la parole de Dieu. Il faut être pourquoi avoir peur. Il faut avoir peur de Dieu. Le chemin, le Daesh, le Gwinaf, il faut discuter. أجمع القرآن جمع القرآن زيد بن ثابت لم يجمع القرآن وحده أبدا. جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ثم جمع في عهد عثمان بن عفان. النسخة التي كتبت في عهد عثمان بن عفان اسمحتي اسفهمي دخل لا vous êtes spécialiste de quel domaine? Je quel est votre domaine de spécialité? Vous êtes instituteur. Je suis instituteur et je lis. Monsieur, je m'excuse de parler avec la langue, je ne sais pas bien la langue. Non, je vous comprends, je comprends. Alors, le Coran, il y a des copies jusqu'aujourd'hui, une en Égypte et l'autre à Samarkand qui date, il faut être spécialiste pour dire l'ouvert. L'authenticité d'un hadith, ce n'est pas un forgeron qui va décider de l'authenticité d'un hadith. Comme on respecte le chercheur,
il faut respecter ceux qui font, ont fait un travail pour dire si un hadith est authentique ou non. Un hadith qui est en contradiction avec le Coran est rejeté automatiquement. On ne peut pas. Ils disent لماذا لذكر مثل حظ الأنثيين رب سبحانه يجوف الآية النظر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نكون دون زين فامي مسلمان أرجزت وكل فيلم هذه الفقه أفرض من قوامون من جميع Bon, quand je vous avais parlé, je ne vous ai pas interrompu. Laisse-moi que ça. Je m'excuse. Imagine. Tout l'incarné, égalité hommes et femmes. Égalité hommes et femmes, on va y aller jusqu'au mariage homosexuel. Est-ce que vous l'acceptez? Si vous l'acceptez, vous êtes contre la nature de Dieu. Qui? Dieu qui fait mariage en tant que femelle, je termine. Quand on parle d'un sujet, il faut aller au but. Il faut y aller au but. J'aimerais bien dire, si vous voulez dire, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Je vais discuter avec Hassan Plachid. Voilà mon clash. Je m'excuse. Il faut respecter aussi. Merci Hacham. Il a pris une échelle. Merci Hacham. C'est Brahim. Bon, d'abord... C'est un karatéka, Cheikh. D'abord, je voudrais dire que... je n'accepte pas la dichotomie. Soit tu avales les textes tels qu'ils sont, soit tu dois déclarer que tu n'es pas musulman. Non. Désolé, Anna, je n'ai jamais dit que le Coran était ou n'était pas la parole de Dieu. C'est pas ça qui m'intéresse. Le fait qu'il soit ou qu'il ne soit pas parole de Dieu, c'est pas mon problème. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse à la lecture de ce texte. Anna, il y a une qira'at hadha an-nass. Bisarf an-nazar, kalam Allah ou kalam ghayr Allah. Bisarf an-nazar an hadha. Anna, mach hada li yhamni. Anna, ma nintalaqch min anna nahkum alayh. Ma huwa. C'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est la lecture, l'étude. Il est parole de Dieu ou il n'est pas parole de Dieu. C'est intime, c'est subjectif, c'est personnel. Une fois, au cas où quelqu'un m'a posé la question, est-ce que vous êtes musulman? Je ne suis pas le droit de me poser cette question. Si je le suis, je le suis pour moi-même. Si je ne le suis pas, mais en tout cas, je suis musulman. Il n'a pas le droit. C'est subjectif, c'est intime. Même le flic ne peut pas te poser cette question. Ben oui, même un flic lui, n'a pas le droit de me poser cette question parce que c'est intime. Haja shakhsiya, hamimiya. Donc, je ne suis pas pour dire que est-ce qu'on a le droit de croire ou ne pas croire en le Coran. Non. Qu'il est ou qu'il n'est pas la parole de Dieu. Non. Dans un domaine de spécialité, dans un domaine de lecture, d'analyse, de comparaison. C'est tout. Et puis, ce que je donne comme information, c'est des informations qui existent dans les sources de l'islam. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Donc, maintenant, Zayd ibn Thabit n'a pas. Je n'ai pas dit que Zayd ibn Thabit. J'ai bien dit que Zayd. Il y a eu deux compilations. Zouj marat, Jumi' al-Qur'an ou marratain. Jumi' al-Qur'an ou marratain. Marratul oula, fil marratul oula. Donc, la première fois, c'était au temps du premier calife. Au temps du premier calife. Abu Bakr. Et au temps du premier calife, cette mission a été confiée au seul Zayd.
وحده وراه في البخاري تقدر ترجع للبخاري بروايه عمر بن الخطاب تقدر ترجع تلقاه قال له الى 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 شارجي ان سول هوم سيتي زيد بن ثابت هذه في زمن الخليفه الاول او طون دو ترويزيام كاليف عثمان بن عفان الى شارجي 4 ان كوميتي دو 4 بيرسون entre autres زيد entre autres زيد alors زيد c'était le seul médinois il y avait trois autres Qurayshites mais quoi qui étaient dans cette et ça c'est aussi c'est connu c'est à dire ça ne fait ça fait l'unanimité des chercheurs et des spécialistes ma fiche pas de divergence sur ce point bon les copies qui existent aujourd'hui du Coran Samarkand de la copie du Caire la copie de Topkapi d'Istanbul donc les quatre copies je ne prétends pas être spécialiste des manuscrits du Coran. D'ailleurs, les plus grands spécialistes des manuscrits coraniques ne sont pas musulmans, c'est des Allemands, pour vous dire. Les plus grands spécialistes des manuscrits du Coran ne sont pas des musulmans, c'est des orientalistes allemands. Ma'ruf Adi, les plus grands, c'est les Allemands. C'est les Allemands. C'est du donc. Oui, donc, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas. Mais je parle à partir des informations que j'ai, je peux avoir tort, mais d'après mes informations, la seule copie qui existe et qui peut être authentifiée en tant que copie du Coran qui revient au 1er siècle, c'est celle de Birmingham, qui se trouve en Angleterre. Et encore, je ne sais pas si elle est complète ou pas. Parce que ça, elle peut être une copie partielle. Donc, je ne sais pas si elle est. Je n'ai pas cette information, mais voilà, je pense et je ne suis pas sûr, je ne suis pas catégorique sur ce point, mais je pense qu'elle n'est pas complète. Maintenant, nous avons aussi depuis 2010, nous avons les copies, ce qu'on appelle les manuscrits de Sana'a, qui ont été retrouvés par voie de hasard, c'est-à-dire il y a un très vieux minaret d'une très vieille mosquée à Sana'a, au Yémen, qui s'est écroulé et sous lequel, on a trouvé ces manuscrits qui sont actuellement en Allemagne sous étude, c'est-à-dire pour être étudiés, authentifiés et étudiés. Et dans ces manuscrits de Sana'a, donc Mazel, on ne sait pas, Mazel Makhrjouch pour le moment, mais il paraît qu'il y a que ces manuscrits reviennent effectivement au 1er siècle, c'est-à-dire l'Asr le Umayyi. Et peut-être même la période du califat qu'on appelle Khalifa al-Rashid, un califat bien guidé, mais on ne sait pas encore. Il paraît qu'il y a des copies complètes dans les manuscrits de Sana'a qui sont actuellement en Allemagne, mais on ne sait rien pour le moment parce que les résultats des études ne sont pas encore sortis. Donc, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Généralement, je suis. Méticuleux sur quand je me suis intervenu, c'est pas seulement de ce que vous avez dit. Il faut comprendre. Oui, je vous comprends. Il y a des questions posées qui ont des insinuations. Oui, d'accord. Alors, il faut être clair. Il faut dire des choses. Oui, d'accord. Non, je fais comme je. Ce qui m'accorde. Moi, j'essaie de lire. Je ne suis pas là pour ordonner aux uns de croire, aux autres de ne pas croire. Ça, c'est intime, c'est le couloir. Chacun est libre de croire, de ne pas croire. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça mon sujet. C'est la lecture et l'analyse des textes. Et la comparaison, c'est tout. Attendez. Les hadiths, il faut respecter les spécialistes, etc. Bon, les hadiths, c'est. Ma spécialité c'est le sharia, là j'ai dit le sharia, donc je suis très bien placé pour savoir où est le hadith sahih et quelles sont les conditions pour dire que tel hadith est ou n'est pas recevable. C'est-à-dire que la recevabilité des hadiths, c'est très relatif, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Donc là je suis bien placé pour le savoir et pour le dire. D'ailleurs tous les spécialistes disent la même chose, mais je ne suis pas le seul à le dire. Tous les spécialistes de l'islam
vous diront que la recevabilité des hadiths n'est pas, est très loin d'être une science exacte. C'est pas une science exacte, c'est une science très, elle est relative et elle est même des fois subjective. Donc, d'ailleurs, qui fait que vous savez qu'il y a un hadith de Bukhari, donc l'Albani a dit que c'est alors que 14 siècles, quelqu'un dit que c'est sahiha. Donc, Nasser al-Din al-Albani a dit que c'est sahiha. Il a le droit de le dire, il est spécialiste, mais c'est pour dire que, quand même, il faut la science pour spécialiste. Mais oui, mais je prends ce que les spécialistes disent. Il y a Bukhari qui dit sahiha, il dit sahiha. Il y a Muslim qui dit sahiha, il dit sahiha. Moi je n'invente rien. Le hadith, il dit qu'il dit sahiha, il dit sahiha. Mais si il a dit le hadith sahih, ou il a dit qu'il y a un taqab avec le Coran, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. C'est tout. Bon. Il y a effectivement des hadiths, c'est-à-dire recevables, techniquement recevables, mais qui sont en totale contradiction avec le Coran. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, hadith al-Bukhari, hadith sahih. Il dit que, par exemple, il dit que Malak al-Maut, le roi Azraïl. Bon, Malak al-Maut, déjà le Nabi Moussa. C'est un Moussa. Bon, déjà, Kallou, voilà, monsieur Moïse, voilà, votre vie. Elle vient de s'achever, c'est bon. En Égypte, elle dit le roi de Dieu. Parce que le roi de Dieu, voilà. Sidna Moussa, non, j'ai des trucs à faire, tu me laisses un peu de temps. Et là, non, on a un agenda à respecter tout ça. Darbo. Le hadith de Bukhari, il dit que Moussa, Daraba, Malak al-Maut. Quand même, on paye au fond de l'arbre. C'est ridicule, on ne peut pas accepter un tel hadith. Bien, quand bien même, il serait rapporté par Bukhari, un million de Bukhari. Quand même, c'est ridicule. Maintenant, je vais vous dire l'Islam comme étant quelque chose qui représente l'Islam. Quand bien même, il serait dans le Bukhari. Mais non, quand même. Ouzid, comme le hadith, il est aussi dans le Bukhari. Il dit que Sidna Moussa est allé se baigner dans une rivière et il a laissé ses habits sur un rocher. Et tout d'un coup, le rocher avec, elle fait le choix de Joe Harbéon. Quand même. Au point où Moussa, Nabi Moussa, Khrej, à poil, Yidjiri mort, il est avec le rocher pour lui demander de lui rendre ses habits. C'est pas normal, Nabi. Mais il peut être qu'il y ait un cheikh al-Azhar, mais il peut être qu'il y ait un cheikh al-Azhar, et qu'il y ait un cheikh al-Azhar, et qu'il y ait un cheikh al-Azhar. Non, non, il faut être sérieux, il faut arrêter de. Non, mais c'est pas parce que hadith sahih, des fois, le hadithin, il rapporte sans le vouloir, des fois, ben, par de bonne foi, je ne sais pas, je n'accuse pas leur foi, j'accuse la façon de faire, Adam Ken. Des fois, ils rapportent des trucs inconcevables, quand même illogiques, qu'on ne peut pas accepter. Et là, j'ai cité des petits exemples, là, j'en ai des dizaines, mais je ne les ai pas en mémoire, mais on dit qu'il y a un doigt. Bon, ok, bon, un truc maintenant. Votre question, je... Oui. Bonsoir et merci d'être revenu. Moi, je ne peux pas poser seulement des questions et je risque de rajouter de l'huile sur le feu. Donc, je risque de rajouter de l'huile sur le feu avec mes deux questions. Ma première question, elle se porte sur l'authenticité du message divin. Lorsqu'on sait que tous ces événements qui se sont déroulés après la mort du prophète et la mort de Ahmed, donc le message qui nous est parvenu après ces 14 siècles, je voudrais savoir votre avis. La deuxième question, elle va se porter sur la laïcité comme modèle de gouvernance et modèle de gestion sociale ou bien de sociale. Votre avis sur ça, et est-ce que seulement vous pensez qu'il faudrait peut-être que les gens changent leur interprétation
des textes coraniques et de la sunna pour qu'ils soient plus productifs. Merci. Merci. Authenticité du message. Si je commence à parler de... Vous allez me pousser à dire mes convictions par rapport à ce que je suis croyant ou pas. Oui, non. هذيك بيناتنا قدروا نقصروا ولا حبيت بيناتنا من بعد مي لا وي لا لا نو نو جو نو نو جو نو بريفير با ايتالي مي كونفيكسيون انتيم بوليميك سي بوليميك سي باسكو اون فا انتري دون لا بوليميك اي سي با بيان سي با نو سي با مي نقدروا من بعد لا حبيت نقصروا ابري واش فوزي سافور سولمون ابري دو لي ايفينمون كي سي سون باسي اسكو فريمون لوسكي اسكو شاك ميجلمون اي لي ريدوفابل اونفير سا ريليجيون اي اونفير ديو de chercher après la vraie l'authenticité, le vrai message divin. Oui, là oui, là oui. Lui, chercher par Dieu. Oui, non, chercher. Est-ce que, parce que moi, personnellement, je ne suis pas un islamologue, je ne suis pas un théologue. Oui. Donc, est-ce que je suis redevable, est-ce que je suis obligé de chercher après le vrai message? Oui, non, là je suis d'accord. Si maintenant vous me dites est-ce que le musulman est appelé à chercher et à faire des recherches et à vouloir comprendre, oui, là je suis d'accord. Oui, en tant que, même en étant musulman, nous sommes appelés à chercher dans les textes, à comparer, à vouloir comprendre, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire ou par rapport aux différences dans les exégèses, tafsir, ou même par rapport à l'authenticité, la recevabilité des textes. Oui, bien sûr, on est appelé, on a le devoir de chercher et de vouloir comprendre. Comme j'essaye de le faire, comme tout le monde, beaucoup de gens essayent de le faire. Et bien sûr, mais là, je ne peux pas, c'est-à-dire, donner une sentence ou un jugement direct sur que si tel ou tel texte est authentique ou tel texte peut être attribué ou ne peut pas être attribué à Dieu. Ça, je ne peux pas le dire, mais je ne peux pas le faire. C'est à tout un chacun de chercher, à tout un chacun de lire, de chercher, de se questionner. Et de se remettre en question et de vouloir chercher à vouloir comprendre. À dire, voilà. La laïcité. Oui, bien sûr, il ne suffit pas de relire. Si on se dit qu'il faut relire les textes et qu'il faut revoir l'interprétation des textes, c'est bien sûr pour se conformer, pour essayer de se mettre en phase avec le monde moderne, avec les questions, d'abord nos questions, parce que certains disent que vous êtes en train de singer, de copier l'Occident. Non, il ne s'agit pas de copier l'Occident, il s'agit de poser nos propres questions et de répondre à nos propres besoins, les besoins de nos sociétés et les questionnements de nos sociétés, ici et maintenant. Donc c'est pour se mettre en phase, c'est tout. Et bien sûr, il est impératif et urgent de séparer catégoriquement et définitivement entre le religieux et le politique. Ça, c'est primordial, parce que sans ça, on ne pourra pas avancer. Sans ça, on ne sortira pas du cercle de la violence, de l'exclusion, du jugement, on ne sortira pas de ce cercle infernal. Si on ne fait pas la séparation claire, simple, nette et catégorique entre le politique et le religieux. Et si on commence par ça, le reste viendra progressivement. Bien sûr, le respect de l'autre, le respect de la différence, la démocratie, la liberté individuelle. Voilà, et ça c'est complémentaire. Tout ça c'est complémentaire, c'est mon avis, je ne le cache pas, je l'ai dit à plusieurs reprises. Article sage. Et bien sûr, là, je dois dire, laïcité ne veut pas forcément dire athéisme. Et parce que généralement, les gens, ils font le raccourci. Ils disent, la laïcité, vous voulez nous rendre athées. Non, non. Vous allez même en Occident, vous trouverez des laïcs croyants. Non, et quand on est laïque, on n'est pas forcément athée. C'est-à-dire... Oui, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas mélanger, c'est tout.
ne faut pas mélanger le religieux ou le politique. Quand on mélange, les problèmes commencent là. Voilà, si on mélange, bonjour les problèmes. Bon, encore une parole. Donc, quand bien souhaiter la bienvenue pour le conférencier. Et remercier surtout l'association donc, pour ce travail que est en train de faire. Pour votre conférence, sujet de faire. Donc, maintenant, donc, c'est arrivé un peu en retard. Donc, ma question, même si elle ne se porte pas, c'est-à-dire sur la conférence elle-même, sur le travail que vous êtes en train de faire. Donc, vous vous présentez comme un lycée vraiment long. Donc, alors que, c'est-à-dire même le débat, donc, ce que je constatais aujourd'hui, c'est un débat clivant. On doit dire ça, c'est-à-dire il y a des clivages, il y a ceux qui sont de ce côté-là, ainsi de suite. Et pour ce donner personnellement, je vous encourage, c'est-à-dire dans cette démarche. Ma question, donc, bien sûr, donc, sur le sujet dernier, donc, il y avait la polémique avec un prédicateur à Alger, et c'est-à-dire toute la polémique qui s'est suivie, dans une chaîne de télévision également à Beur TV. Même si l'usage qu'on fait de, c'est-à-dire de la polémique, c'est un bon dans le dessin. Donc, est-ce que vous croyez que c'est-à-dire, ce genre d'initiative que vous êtes en train de faire peut susciter réellement un débat sur la place de la religion? Ça, c'est un. Même si que, on voit qu'il y a tellement d'appréhension à ce sujet. Ma deuxième question, ça concerne le volet académique, c'est-à-dire dans les universités. Est-ce que réellement cette discipline, les scientologies, elle est pour autant développée? Parce que, personnellement, c'est-à-dire le salut, l'État, c'est-à-dire quand on aura des étudiants et des enseignants qui vont, c'est-à-dire faire avancer cette discipline, peut-être que, c'est-à-dire on peut voir avec. Et je vous remercie. Merci. Bon, pour votre première question. Est-ce que le travail que vous faites peut susciter un débat sur la religion? Oui, je l'espère, j'espère. En tout cas, moi, je fais ce que j'ai à faire et je persiste à le faire. Et je le fais, j'essaye de le faire autant que faire se peut, méthodiquement et avec les moyens qui sont à ma disposition. Mais je sais aussi que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choses qui demandent du temps et ça ne se fait pas par la baguette magique. Il n'y a rien de magique. Donc il faut du temps pour que ça commence à changer, à donner des fruits. Et il faut surtout un engagement, et il faut surtout l'engagement de tous. Donc c'est tout le monde, parce que c'est tout le monde qui est concerné, nous sommes tous concernés par le changement des mentalités. Et parce que si les mentalités ne changent pas, c'est tout le monde qui va payer le prix un jour ou l'autre. Donc voilà. Maintenant, pour votre deuxième question, l'islamologie à l'université. En fait, en Algérie, jusqu'à preuve du contraire, moi je suis le produit de l'université algérienne et j'ai fait sciences islamiques, mais ce qu'on nous a enseigné n'a rien à voir avec l'islamologie à proprement dire. Parce que ce qu'on nous enseigne, c'est ce qu'on enseigne à l'université. Les sciences islamiques qui sont enseignées à l'université, c'est tout simplement c'est des commentaires. Alors on nous apprend à faire des commentaires sur les textes religieux. Mais on nous interdit de critiquer. Il nous est interdit de critiquer. Une fois, je me rappelle, une fois, j'ai essayé de débattre avec un professeur. C'était un wahhabite qui a étudié en Arabie Saoudite. J'ai essayé de débattre avec lui. C'était un maître de conférence. Et il nous enseignait un module de hadith, justement, en Qarin al-Hadith. Et comme j'ai essayé de débattre avec lui, ben, il m'a fait sortir de l'amphithéâtre et il m'a même exclu de son module. Juste pour lui avoir posé des questions et pour lui avoir porté une contradiction devant les étudiants. Et je l'ai fait très gentiment, je ne l'ai pas offensé, je ne l'ai pas. Et malgré ça, il m'a chassé, il m'a fait sortir de l'amphithéâtre, il m'a exclu de son module.
Donc, je regrette de le dire, mais c'est comme ça. Il faudrait une révolution dans l'enseignement des sciences religieuses en Algérie, que ce soit à l'échelle universitaire ou même à l'échelle de ce qu'on appelle les instituts de formation des imams, qui relèvent de l'autorité du ministère des Affaires religieuses. Voilà. Jules Lewin, merci pour l'association et merci pour le conférencier. Moi, j'ai posé la question, c'est-à-dire l'islam et la modernité. C'est-à-dire comment l'islam va accompagner la modernité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tentatives de, par exemple, pour moderniser l'islam, tel que Ben Badis ou Mohamed Abdo. C'est-à-dire, il y a des tentatives, mais malheureusement, on voit et on constate il y a de la régression. Il y a des gens avec des gondolas, des lambards et tout. Et tu as voyé que ça, c'est l'islam, c'est-à-dire ils ne veulent pas aller de l'avant. Donc pourquoi ça? Ça veut dire l'échec de moderniser, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire religieux, qui va être, ça veut dire avec l'esprit moderne et scientifique actuel, c'est-à-dire va accompagner l'époque moderne, l'époque actuelle, ça veut dire. Donc c'est comme des gens, ça veut dire c'est comme le problème de la culture. C'est-à-dire l'islam et la culture, nous sommes bien, et ça s'attache à la culture, ça veut dire aux traditions, car que c'est la rancabie, c'est ça la culture. Oui, de l'autre côté, car que la barbe et la gondola, c'est ça la religion. Alors que, et un autre phénomène aussi, c'est qu'on assiste à des gens qui veulent islamiser la science. Ça veut dire qu'ils veulent islamiser la science. Alors que ça veut dire qu'on veut, il y a un phénomène qu'on a constaté, alors qu'on refuse d'assimiler l'esprit scientifique, c'est-à-dire qu'on veut. Ça veut dire que l'islam, comme ça veut dire, il y a des gens qui veulent nous dire que l'islam et les scientifiques, il est, alors qu'en réalité, on refuse l'essentiel, ça veut dire l'esprit scientifique, la pensée scientifique qui est objective et qui est rationnelle. Voilà ma question. Quel est votre avis par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce phénomène que nous assistons aujourd'hui? Merci. Merci. Islam et modernité, comment il va accompagner la modernité? En fait, c'est les tentatives de réformisme, ce qu'on appelle le réformisme, les écoles de réforme, ou les réformistes, que ce soit les Afghani, les Mohamed Abdou en Orient, ou alors même les oulémas en Algérie, je pense que la réforme, l'école de la réforme, ou le réformisme en général, il n'est pas allé vraiment trop loin. Ou alors il a fait une marche arrière, à partir de Cheikh Mohamed Rachid Rita. Je précise, Cheikh Mohamed Rachid Rita, qui était l'élève de Mohamed Abdou, le disciple de Mohamed Abdou, et qui avait écrit son exégèse, Tafsir Ta'ou, et qui était le propriétaire de la fameuse revue Al-Manar, Jalat Al-Manar, financée par les Saoudiens. Et donc, Nahda a dit ce qu'on a appelé le mouvement réformiste ou le mouvement Nahda. Il a eu un bon départ, hein. Mais il a fait marche arrière à partir de Cheikh Mohamed Rachid Rida, et on a assisté
après à la naissance de, à la création de l'organisation des frères musulmans, qui a été créée par Hassan al-Banna, lui-même élève de Mohamed Rachid Reza. Donc à partir de Mohamed Rachid Reza, il y a eu la régression et on est au lieu d'aller de l'avant dans la modernité et dans la on va dire modernisation du discours religieux, on est tombé dans, on a fait marche arrière et on est tombé dans le, l'intégrisme, tout simplement l'islamisme, l'intégrisme, et du coup la modernisation de l'islam est, elle est partie en fumée et le projet a été tout simplement enterré. Ce n'est que bien après, c'est-à-dire à partir des années, on va dire des années 80, que certains ont essayé, certains chercheurs ont essayé de faire revivre, de faire renaître ce projet de modernisation. Je parle bien sûr en Algérie, pour les Algériens, c'est Mohamed Hakoun, il parlait de ça déjà depuis les années 60, les années 50 déjà. Mohamed Hakoun, il a commencé à parler de moderniser, de la nécessité de moderniser, de relire les textes religieux à partir des années 50. Mais en Orient, ce n'est qu'à partir des années 80 où quelques-uns, tels que Mohamed Docteur Mohamed Ahmed Khalafullah, tels que Saïd Al-Qimani, tels que Mohamed Saïd Al-Ashmawi et d'autres aussi, ont commencé à écrire. Farhad Chfouda aussi, qui a été assassiné en 85 ou 6, je crois, qui a été assassiné pour ses écrits, bien sûr, pour ses écrits. Et donc, c'est la Nahda où le réformisme a fait marche arrière. Mais maintenant, il ne s'agit plus, à mon avis, il s'agit d'aller plus loin, il s'agit de revoir à la base tous les textes religieux, quand je dis les textes, c'est-à-dire, je veux dire les textes et les interprétations, les textes et les lectures. Il faut revoir tout ça à la base pour essayer de sortir de cette vision traditionnaliste de la religion et pour essayer d'être en phase avec le monde moderne et avec nos propres questionnements, nos nouveaux questionnements et nos nouveaux besoins en tant que société musulmane. Islam et modernisation, j'ai entendu, islamisation de la science, ça ne veut rien dire, islamisation. D'ailleurs, la science et religion, il n'y a pas de concordance. Les gens qui veulent faire la concordance, parce que comment tu peux faire une concordance entre un verset qui est figé, qui ne change pas, et entre une science qui change tous les jours? Chaque minute, nous avons de nouvelles théories, de nouvelles écoles, de nouvelles lois. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il y a des nouveautés dans le domaine de la science. Comment tu peux faire la concordance entre un texte qui ne change pas depuis des siècles et entre des... Je pense que c'est dangereux. Déjà, c'est très dangereux pour la foi des croyants. Un croyant, c'est dangereux pour un croyant. Il dit, c'est le laboratoire, c'est la recherche qui a tout le temps, tous les jours, elle a des nouveautés, elle a des nouvelles à nous donner. Et le texte qui ne change pas, le texte qui lui-même, d'ailleurs la concordance, c'est-à-dire le concordisme, l'ijaz al-ilmi, je ne comprends pas. Et généralement on fait dire au texte ce qu'il ne dit pas. Et des fois, le texte, on le met dans des situations très embarrassantes. Ah oui, il dit que tu as un peu de temps. Parce que des fois, oui, on finit par assassiner le texte. Parce que non, parce que quand on croit, on n'a pas besoin de preuves du laboratoire. Si on croit, on croit, c'est subjectif, c'est tout. La croyance, même elle n'a pas des preuves d'Einstein pour croire. Si la croyance, c'est quelque chose, soit on l'a, soit on l'a pas. Il a عندك, ou il a عندك, pas عندك. Il a عندك, mais il a حياة حتى واحد. Ou il a عندك, c'est pas Einstein ou l'autre avec Pasteur ou la Lavoisier. Il a يزيدلك des preuves pour te rendre super croyant, le plus croyant que d'habitude. Non, la
croyance, c'est subjectif, c'est intime. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et si on l'a, on n'a pas besoin de... Si je suis croyant, j'ai pas besoin que X ou Y vienne me conforter dans ma croyance. Et si je ne le suis pas, c'est pas X ou Y qui va venir m'infuser la croyance. Et c'est pas une seringue, c'est pas une injection. Et c'est dangereux en plus, c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver des chercheurs, donc les chrétiens, ils sont à cheval sur ça, hein, mais ils jouent sur ça, dans chaque verset, dans chaque mot du Coran, dans chaque lettre, pour dire que ah, vous avez dit que tel verset concorde avec telle loi, telle théorie scientifique, chimique ou biochimique. Ou médical, ah, c'est pas vrai, voilà, telle raison. Mais moi, là, je suis allé tout seul au Rahim. Pourquoi est-ce que le Coran a prétendu un jour être un livre de physique ou de mathématiques ou d'astronomie ou de biochimie ou de. Il n'a jamais prétendu. Allez, je te laisse le Hajj. Houdan, Hidayah, c'est une guidance. Madame Akar, fi Hidayah, fi Hachem. Si ça te convient, tu le prends. Si ça te convient pas, tu le prends pas. Mais dites-vous, aya est parti à l'astronomie. Je ne comprends pas que tu dehors là, fi hadi. Où je dehors là, fi hadi. C'est dangereux. D'abord, c'est une chimère. Ça n'a rien de scientifique. Et puis, c'est dangereux. C'est dangereux par rapport au texte lui-même. Bien sûr, parce qu'on va dire que le cas, il dit que tu peux dire à la telle et telle théorie, alors que c'est pas vrai. Là, c'est. Les croyants, ils vont se mettre dans l'embarras. Voilà. Mohamed. Salam alaikum. Alors, la place de la donation dans l'héritage musulman, est-ce que ça existe, la donation? Deuxième question, parlez-nous un peu sur les Zawiyas algériens. C'est bon. Ok. Oui, elle existe la donation, mais la donation, elle existe. Il y a une condition, elle existe, oui. Sans condition, mais si le propriétaire est vieux et même, on va dire, très malade, et il lui est interdit de donner, de faire des donations. En dehors du tiers. Mais un de chaque il chrodge khadj thuluth. Mais quand il a, c'est-à-dire il est en bonne santé, il n'est pas très vieux, il n'est pas. Là, il peut donner ce qu'il veut. Mais s'il est très vieux, et si encore il est malade, ou on va dire en phase finale, il n'a pas le droit de faire des donations en dehors du tiers de ça, de ce qu'il. De ses biens, voilà, du tiers de ce qu'il possède. Voilà. Ah oui. Très apte moralement, et fait totalement apte moralement et physiquement pour qu'il soit en droit de faire des donations à l'extérieur de plus d'un tiers, c'est-à-dire de donner plus d'un tiers de ce qu'il possède. Voilà. Donc voilà, les juristes ils connaissent que c'est les droits des héritiers. C'est pour préserver les droits des héritiers. Les Zawiyas algériens, bon, les Zawiyas, je ne sais pas, il y a plusieurs aspects. Nous pouvons parler de l'aspect historique, nous pouvons parler de l'aspect. Mais bon, les Zawiyas, pour moi, il y a deux sortes de Zawiyas. Il y a des Zawiyas qui sont vraiment, c'est-à-dire authentiquement connus et reconnus. Et il y a les nouvelles Zawiyas qui ont été, que j'appelle moi, c'est des boutiques en fait politiques. C'est des boutiques politiques qui ont été créées de toutes pièces pour des fins électoralistes en général, hein, voilà, pour épauler tel ou tel candidat, je ne sais pas. Donc voilà, ça, et ce phénomène, il est apparu, à partir des années 2000. Hein. Et d'ailleurs, personne ne parlait des Zawiyas. Avant les années 2000, personne ne parlait des Zawiyas. Mais c'est à partir de 2000 qu'on a commencé à en parler et à en créer même. Les réanimer. Oui, à les réanimer pour des fins en général politiques. Partisanes et politiques. Vous êtes là, oui. La première partie de mon intervention ne sera pas une question,
puisque je voulais intervenir à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure. Une personne vous a posé la question si vous étiez musulman ou pas. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse, je ne cherche pas à le savoir, mais je pense que quand on vient communiquer sur un sujet aussi sensible, je pense qu'il faut montrer ses positions pour lever les ambiguïtés, les amalgames qu'on peut avoir, parce que je pense que l'assistance est en droit de s'interroger. C'est la personne qui s'adresse à elle et pas de l'intérieur ou de l'extérieur. Parce que un discours, par exemple, d'un orientaliste n'est pas le même que celui d'un exégète ou d'un théologien musulman. Vous me comprenez? Oui, bien sûr. Voilà. Et pour la deuxième partie, donc, vous parlez de modernité, vous parlez de laïcité. Je pense qu'on ne peut pas jongler avec des notions aussi importantes sans les définir, sans les contextualiser. Donc, concernant la modernité, de quelle modernité parlez-vous? Vous parlez de la période contemporaine algérienne ou vous parlez d'une autre modernité située dans un autre espace-temps, peut-être la modernité occidentale? Et si vous parlez de celle-ci, il y a beaucoup de dévoiements il y a des dévoiements en fait qui viennent de cette modernité, que cette modernité a engendré. On ne peut pas faire fi de tout cela. Et puis, laïcité que connaissent les Algériens, c'est la laïcité française. C'est la laïcité qui réprime les religions, n'est-ce pas? Parce que, et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des laïcs, laïcité ne rime pas forcément avec athéisme, et on peut trouver des laïcs croyants, mais ce n'est pas ce qu'on voit majoritairement, surtout dans les médias. Donc, parler de ces concepts, avant tout, je pense qu'il faudrait les définir, et donc, quelle est cette modernité dont vous parlez? Quelle est cette laïcité dont vous parlez? Voilà, merci. Merci. Pour votre première remarque, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, je parle de l'intérieur du cercle, je ne parle pas de l'extérieur du cercle de l'islam. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit sur ma page Facebook, sur tout le monde le sait. Donc, moi, je l'ai toujours dit, je le répète, je ne parle pas de l'extérieur, je parle de l'intérieur. Deuxième chose, de quelle modernité? Bien sûr, la modernité, ce n'est pas en fait le thème de ma conférence, ce n'est pas le thème de ma communication, mais c'était juste par rapport à des questions qui ont été posées. Mais il est clair que moi, je ne suis pas d'avis pour dire qu'il faut copier telle ou telle modernité. Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs une seule, il y a des modernités, nous avons plusieurs modernités à travers le monde, vous aurez la modernité, je ne sais pas, américaine, allemande, française, anglaise, chinoise, japonaise, etc. Mais il ne s'agit pas de copier, il s'agit de produire notre propre modernité. Moi, je parle surtout de la modernité, la nôtre, de la nôtre. Donc, il s'agit de produire une modernité algérienne qui serait à même de répondre à nos questionnements et à nos besoins, propres besoins et propres questionnements, et pas à ceux des autres. Maintenant, quand je parle de laïcité, ce n'est pas forcément la laïcité française, parce que c'est vrai, il est vrai que la laïcité française a été généralement définie contre tout ce qui est religieux, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de copier. Quand moi je parle de laïcité, c'est en fait trois choses. C'est déjà la séparation entre le religieux et le politique, premier point. Deuxième point, les libertés individuelles. Troisième point, la démocratie. C'est tout. C'est-à-dire que si on peut se mettre d'accord sur ça, on peut très bien aller pour produire notre propre modernité sans pour autant réprimer le religieux, qu'il soit chrétien, juif, islam, musulman ou autre. Voilà. D'accord.
puisque c'est la seule fois. Donc, pour vous, laïcité, c'est séparer l'état de la religion, liberté individuelle et démocratie. Donc, partant de là, vous pensez que la religion, c'est uniquement le rituel? Et est-ce que dans la religion, il n'y a pas ces principes que vous défendez, liberté individuelle et démocratie? Et je ne parle pas des interprétations contemporaines et peut-être de l'islam politique, mais de l'islam au temps du professeur Salem et du temps des compagnons également. Et je n'ai pas le hadith en tête, mais n'est-ce pas que l'islam et les décisions prises en islam et dans le cadre politique est fondée sur Oui. Est-ce qu'on peut faire une lecture moderniste de l'islam? Oui, on peut faire une lecture moderniste de l'islam, mais il se trouve que tout le monde ne peut pas être d'accord pour faire de l'islam un point de départ de la modernité. Parce que on peut avoir vous aurez des citoyens qui ne sont pas musulmans. Donc, mais nous, on veut que la modernité soit, qu'elle fasse un minimum de consensus quand même, mais de tolérance. Mais il est vrai qu'en islam, on peut trouver un point, une base de départ pour une modernité, mais à condition de revoir les textes, et on conçoit les textes en tant que corpus et en tant qu'interprétation et lecture. Vous avez cité la Shura, c'était pas vraiment. Je ne peux pas m'étaler sur ce sujet, il faudrait une autre occasion. Mais la Shura, c'était pas vraiment une démocratie. C'était pas vraiment la démocratie. Déjà, l'État en islam n'existe pas. Non, l'État en tant qu'entité et en tant que perception moderne, ça n'a pas existé. Nous avons, bien sûr, on peut parler de l'État du prophète, mais c'était un État, c'était pas un État démocratique, c'était un État théocratique géré par des textes religieux, des révélations religieuses, etc. Et donc, mais on peut trouver un point de départ, une base de départ dans la religion pour une lecture moderniste. Une modernité qui prend son point de départ dans la religion, c'est possible. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui l'illustre bien, c'est Islam et liberté de Mohamed Chafi. C'est un ouvrage qui est très intéressant à lire à ce sujet. كاع ما تلقاه بدل ولا المسيحيه ولا ملحد خلفيه تاعو اسلاميه يولي الفكر تاعو توجو مسلم. قال لك واحد زعما ملحد ما يلقى ربي بعد الشر ولا بحاجه. راح ليه واحد قال له انت كيف مثلا هذه دعيه منا؟ قال له اودي هذه حاجه بيني وبين ربي. هذه حكايه بصح عندها معنى. باش نولي للسنه ما يسمى السنه والجماعة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام انها قال لهم ما تكتبوش واش راني نهضر وابو هريرة لقاه واحد الخطرة عمر بن الخطاب يهضر عطا ابو هريرة اش عاملين مع الرسول هذه قلت كمدخل حنا المشكل تاعنا ماناش بون بيرسونيل ماناش ضد البخاري البخاري انسان دار اللي عليه بصح ما نقدسوش الكتاب تاعو ما نسميوهش صحيح البخاري بيسك هو ماشي صحيح الا حوس كاع فيه نلقى حديث واحد خطا ما نسميهش صحيح ما نقولوش صحيح البخاري اصح كتاب معناتها كتاب الله هذا كذب هذا راهم يستحمروا في
فينا شكون دار هذا الكلام؟ هو كاين حاجه اسمها صناعه الحديث، بدا في العهد الاموي تبعوا العباسيين داروا واش داروا علاه؟ هي تاعهم استعماريه. بو هذا يبقى راهي والاسلام ماهوش احد. ربي جاب لنا القران والحديث، الاحاديث هو تراث عربي. تلقى في حاجه مليحه، تلقى في حاجه ماشي مليحه، و 99% ماشي حاجه مليحه. كاع والتراث تاعهم كاع لازم نبكيو. انا في داخلي لازم نبكي، ما نجمش نضحك. تلقى المهم نوليو للقران. هضرت على الجمعه، هضرت على بصح حاجه ما فهمتهاش. كيقول لك اللغه العربيه لغه القران، ماشي صح. العربيه ماهيش لغه القران، لازم نفهموها مليح. القران كيهبط على سيدنا محمد باللهجه تاعو، كان يهضر له باللهجه تاعو. لو كان يجي ضرب يهضرها واحد فينا ما يفهم بوم حرف، والله ما تفهم، والله ما تفهم فيها حرف. العربيه تخبطت في العراق وسوريا، ما با في السعوديه. القران تكتب باللغه السريانيه باش نوليو للعلم المخطوطات ونهضروا على لوكسمبورغ سيرتو المستشرق الالماني، وعندنا ثاني محمد المسيح المغربي على الدراسات اللي داروها على مخطوطات صنعاء، اللي كاع المخطوطات اللي ذكرتهم ما تلقاش فيها مخطوطه كامله، كاع المخطوطات تلقى شويه راهم يبانوا الدراسات هذوك، لقاو كلمة هنا بصح واش حبيت نقول المشكل تاعنا نقدسو في النص. هو سيفو يقول لك اللي يقرا حرف عنده حسنه، ماشي صح. القران فكره، ربي جابو لسيدنا محمد اعطاه الوحي تاعو فكره. سيدنا محمد يحكيها للجماعه، كل واحد كيف يفهمو، كل واحد كيف يكتبوه. انا عطيك صح هذا السبب. المهم المشكل تاعنا في تقديس النص، وحنا لازم نقدسوا الفكره. والقران في الجمعه هذه قلت لو كان نوليو لصحيح البخاري يقول لك كاين ايات كيما سوره البقره راح ماهيش في المصحف، ياك هكذا شيخ؟ كاين ايات ماهوش في المصحف بصح راهم يخدموا بها. رجم المرأة الزانية ما تبقاش أعطيك صح. والشيخ والشيخة إذا زانية فرجمهما المهم. طيب الشيخة، كلمة الشيخة هذه ما تبقى لا في العربية لا في القبيلية، يعني هما من السنة تقول باللي القرآن هذا ناقص ولازم وفيه الزيادة. يصلي الدين عليها رانا نقدسوا في هذا النص، نقدسوا الفكره، نعم، بصح باش نقدسوا الحروف يقول لك تقرا حرف عندك حسنه، هذه ما كانش منها ويعطيك الصح. شنو اوبسيرفاسيون؟ Par rapport à la jeunesse qui a parti de la modernité, par l'expérience de l'histoire nous a appris que toutes les pensées qui n'accompagnent pas le temps, elles sont vouées à la mort. Ça veut dire, soit les cultures, soit les pensées, soit ce qui si n'accompagne pas l'époque, il est voué à la mort. Donc, c'est une vérité. كيف تقول واش من المودرنيتي؟ هي دي بونس تقول لك باغ اكزومبل تاع الترسل ما يشاركوش القهوة، دونك ما يشاركوش هنا القهوة. تاع الترسل كاين لا بونسي وهابيست تاع ابن تيمية، ميل تاواسون ولا مانيش عارف حتى ليبوك. سي سافتير يقول لك
par exemple, telle que une machine à haram, l'utilisation de la télévision, ça veut dire que c'est haram, bidah, ou l'utilisation du portable bidah, l'utilisation. Donc, c'est ça la pensée archaïque. Donc, la modernité, c'est être de son époque, c'est être un musulman et être avec, c'est-à-dire la pensée moderne. Donc, c'est ça à peu près de. Voilà ma réponse. Je pense que. On termine, Cheikh Salah, la petite pipe, parce que de Rohamed Blida. Je ne sais pas si vous avez cité ça. Zouria. Zouria. Zouria, c'est ça. Zouria. Zouria, n'est-ce pas? Zouria. C'est la dernière. Bonjour, juste brièvement, merci pour la communication. Est-ce que vous pouvez me dire brièvement, même si c'est profond, comment ça se fait qu'on est passé de la société algérienne des années 60-70, ouverte d'esprit, pour se retrouver avec une société 2018 rigoriste et de surcroît hypocrite? En fait, c'est la politique. C'est la politique. C'est surtout l'école et les médias. C'est la responsabilité surtout de l'école et des médias. On va commencer à enseigner dans les médias, à l'école, une religiosité. Très rétrograde et je dirais assez obscurantiste, et donc ça nous a produit cette génération, des générations qui n'ont aucun esprit critique et de plus qui ont un comportement assez je dirais hypocrite par rapport ou contradictoire par rapport à la religion et même à la société. Et donc, il y a aussi le rôle des médias, surtout les médias lourds, la télévision. La télévision, à partir des années 2000, on a commencé à assister à des émissions du genre. C'est des émissions qui vendent le religieux et qui sont contre tout esprit critique. Et toute critique, et qui font dans l'exclusion, dans le rigorisme, dans le... et le résultat, c'est ce qu'on dit. Malicha Chekha, quelqu'un qui demande la parole, je suis une dernière question. C'est votre dernière. Absolument. Alors, ma question est très simple. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi la religion pour. L'homme, la religion dans le monde. Et juste après la deuxième question, c'est la finalité. Finalement, la finalité, l'objectif de la religion sur Terre, c'est quoi? Toute forme de religion. Même les disciplines, comment dire, le sport, la finalité, c'est quoi? Merci. Question philosophique. Oui, ça, c'est une question philosophique qui nécessite un temps plus large pour la matière. Mais bon, pourquoi les religions? Je ne sais pas. En fait, les religions, c'est des façons de voir et de comprendre l'existence, le monde, qui essayent de donner un sens. Voilà, c'est des structures qui essayent de donner un sens à l'existence. C'est comme les philosophies. C'est comme les philosophies, sauf que le sens qui est donné par les religions, c'est un sens métaphysique qui fait appel à un monde, à un autre monde, qui a une autre dimension.
voilà, en gros, voilà. Et selon certains philosophes, cette dimension religieuse, selon certains, bien sûr, ça ne fait pas l'unanimité, mais selon certains, c'est une dimension qui est humaine et qui est quelque part nécessaire à l'existence humaine. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et je peux avoir tort. Qui a créé l'homme ? Pardon ? Qui a créé l'homme ? Qui a créé l'homme ? Qui a créé l'homme ? Dieu ou l'homme ? معليش معليش تخلص الشيخ الشيخ الفوضي لا تخلص راني دير الشيخ الفوضي روح اشي pour finir c'est que la religion c'est comme l'a dit Bergson Henri Bergson était philosophe français spiritualiste il a dit il y a des décès des très des peuples qui vivent sans science, sans principe, sans valeur, mais pas sans religion. Parce que la religion, dans un certain point, c'est un sorte de réconfortement, dans sa crainte. Et j'ai une très brève analyse sur la religion. Quand on prend toute religion, est-ce que celui qui croit par amour ou par crainte d'aller aux enfers? Quand on prend la religion sémite, chrétienne et juive, judaïsme, quand on arrive à utiliser sa raison, on est chassé par les autres. On va prendre des exemples, Ibn Rushd, Spinoza, ils ont donné des questionnements sur Dieu, sur les valeurs humaines, ils ont été chassés par leur peuple. Pourquoi ? Est-ce que la religion borne la raison humaine ou l'ouvre, au contraire ? Je dirais très, très brièvement que la religion borne l'esprit humain, la raison humaine à partir du moment où elle est institutionnalisée. Mais c'est cette dîme torliq l'aql ou tujammid l'aql. هذه هي ملاحظة العامة في جميع الأديان وعبر التاريخ. À chaque fois que la religion est institutionnalisée et qu'il commence à y avoir un clergé, des hommes, entre guillemets, de Dieu, là, la raison, elle est bornée, elle est pourchassée, elle est exclue, elle est opprimée, etc. Voilà. Merci. 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 Cheikh Saïd Jabal Khair. L'association Thimitharat Chikar Mlih, la maison de jeunes de Khaounen, c'est cadre moins le temps d'activer Chouya. Donc l'association Thimitharat Daran, elle projette organiser à l'occasion du 20 avril une conférence qui est animée maintenant Tariq Mira. Le titre c'est la revendication amazigh depuis l'indépendance jusqu'à l'ouverture démocratique. La conférence sera programmée le 20 avril. Le 11 mai, on invitera Winat Hamid El Ayachi qui va présenter son livre. Il dit ce fois au Sénégal, Inch'Allah. Donc, il va présenter son livre. C'est un thème de la littérature. Quand il va parler sur le roman. Donc, deux rendez-vous culturels, Inch'Allah, pour la réussite de cet événement. Il y a une vente dédicace, un livre de Saïd Jabal Khair, les confessions, les confréries soufis. Donc, oui, il dit que c'est un livre à Gadadine pour la dédicace. Merci bien, bon courage. L'organisation.